vois ton frère commettre un péché, if you see your brother committing a sin, pray for lui. Pray for him. Et Jésus dit, Jesus says, va lui parler. Go and speak to him. Si tu le fais, if you do it, tu l'aimes. You love him. Il y a des choses que je commence à comprendre bien. There are things that I've started to understand well. Quand je m'étais consacré, when I consecrated myself, quand j'avais fui tout ce qui pouvait m'égarer professionnellement, when I fled from all that could have led me astray as in terms of profession, le Seigneur m'avait dit, the Lord told me, tu seras missionnaire en Afrique de l'Ouest comme pasteur homme de culture. You will be a missionary in West Africa as a pastor and man of culture. Et il m'avait dit, prêche sur mon retour. And he said, he told me, preach on my return. Il m'avait dit, tu seras un homme de réveil. He told me, you will be a man of revival. Je n'avais pas compris. I did not understand. Parce qu'à l'époque, je n'avais jamais prêché sur le retour de Christ. Je veux dire quoi aux gens? Si je dis Jésus revient, et puis? Because at that time, I have never preached about the return of Christ. I told myself that if I tell people Jesus is coming back, and then? Et il a commencé à m'enseigner. And he started teaching me. Il m'a dit un jour. He told me one day. Ne dis plus jamais que l'Église est divisée. No longer utter. Proclaim that the church is divided. À l'époque, il y a des gens qui disaient que leur vision était la réunification de l'Église. Moi aussi, je disais souvent ça. Il faut que l'Église soit unie. In the past times, there were people who were saying that their vision was to reconcile, to unify the church. So me too, I was saying the same thing. Le Seigneur m'a dit que les hommes ont leurs problèmes. Son église n'est pas concernée. L'église de Jésus est parfaite, unie, soudée. The Lord told me that people have the troubles, the problems. The church of Jesus is not concerned. Si tu vois deux frères lutter, if you see brethren fighting, ne dis pas que l'église est divisée. Do not say the church is divided. Ce n'est pas eux qu'on appelle l'église. They are not the one called the church. L'église, c'est l'ensemble des croyants morts ou vivants qui sont en Christ. The church is the set of brothers, dead or alive, who are in Christ. Et Jésus est leur chef, la tête. And Jesus is their head. Jésus ne peut pas se poser sur un corps divisé. Jesus cannot come and rest on, stay on a divided body. Il y aura l'enlèvement, l'église sera enlevée. Un frère qui est vaincu par le péché qui rétrograde, ce n'est pas l'église. There will be the rapture. The church will be lifted up. A brother who has not been able, who is overcome by sin, it's not a church. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Depuis ce jour-là, from that day on, je veille sur ma bouche. I watch over my mouth. Je n'ai plus jamais dit que l'église est divisée. I've never said that. I've no longer said that the church is divided. C'est pour cette raison que j'enseigne que si vous voyez un frère rétrograder vrai, c'est qu'il n'avait jamais cru. That's why I teach that if you see a brother backsliding truly, it means that he had never before believed. Il n'avait jamais cru. He had never believed. Il y a dans la doctrine de Christ ce qu'on appelle la préservation. C'est Jésus lui-même qui nous garde en lui. There is in the doctrine of Christ there is that which we call preservation. It's Jesus himself who keeps us in him. Tous ceux qui sont dans la main de Jésus, all those who are in the hand of Jesus, ne verront jamais Satan venir les enlever de là. Will never see Satan coming to remove them from Satan there. Satan n'a pas cette force là. Satan does not have that strength. Que tu es dans les mains de Jésus et les mains du Père, et il vient et il arrache. That you are in the hand of Jesus and the hand of the Father, and he comes and snatch you. Another day, le Seigneur m'a posé une question. The Lord asked me a question. Qui vous a dit que l'âme est immortelle? Who told you that the soul is immortal? Que c'est les pensées païennes. These are pagan thoughts.
Cette révélation-là a conduit à la délivrance des esprits humains. This revelation led me to la sorcellerie. To the deliverance of human spirit, that is witchcraft. Il m'a dit, he told me, si l'âme est immortelle comme les gens disent, pourquoi les sorciers tuent l'homme, tuent l'âme? If the soul is immortal as people proclaim, why then do the sorcerers kill the soul? Quand le sorcier sort de son corps, when the sorcerer comes out of his body, et s'en va attaquer un innocent couché et il tue son âme, and goes to attack an innocent man lying down and kills his soul. Et après la personne tombe malade, and after the person falls sick, décède, die, et on pleure, and people cry. Et nous sommes l'âme immortelle. And we are there. The soul is immortal. The soul il m'a dit, is immortal. C'est l'esprit qui ne meurt pas. He told me that it is the spirit that doesn't die. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu dis que l'esprit retourne à celui qui l'a donné. That's why when you read the Bible, it says that the spirit returned. Les païens disent il a rendu l'âme, mais quand Jésus parle, on dit il a rendu l'esprit. The pagans say that he has yielded the ghost, I mean the soul. But when Jesus speaks, he says he has yielded the spirit. Aujourd'hui, today, il nous dit, he tells us, l'église, the church, est notre vraie famille, is our true family. Des vrais problèmes. Your real problems peuvent sortir de l'église. Can come out of the church. Que tu es avec quelqu'un, that you are with somebody, il ne veut pas se convertir, he doesn't want to be converted, il rend les choses lourdes, it makes things heavy, et tu es obligé de subir aussi, and you are compelled to undergo, parce que vous êtes ensemble, il est ton frère, he's your brother. Dans mon esprit, in my mind, je vois comment Dieu rassemble tous les messages qui peuvent provoquer le réveil. I see in my mind all the messages, how God brings together all the messages that can provoke revival. Je commence à croire. I've started to believe cette mission-là, that mission va s'accomplir. Will be accomplished. Et le travail que nous faisons pour renverser les idoles et les principautés, c'est un travail de réveil. And the work that we are doing to overthrow the idols and principalities is a work of revival. Si tu es capable, if you are able, de prendre un jeûne de 3 jours à 40 jours avant la croisade pour la consacrer à Dieu, fais-le. To take a fasting of from 3 days to 40 days before the crusade to consecrate it to God, do it. L'idée est venue de Carole. Elle peut m'aider à recenser ceux qui sont prêts. The idea came from Sister Carol. She can help me, make a census of all those who are ready. Il y aura le réveil. There will be revival. En commençant par nous-mêmes. Starting by ourselves. Il y aura le réveil à la CMCI. There will be revival in CMFI. Ouvrez seulement les yeux. Just open your eyes. La machine est en train d'être placée. The machine is being set. C'est l'autre jour, je méditais l'autre jour. I was meditating the other day. Et j'ai compris pourquoi le frère Zach a reçu la prophétie de Santa Cruz. And I understood why Brother Zach received the prophecy of Santa Cruz. Il dit qu'il priait pour la communauté chrétienne internationale. He said that he was praying for the Christian Missionary Fellowship International, pour qu'il y ait le réveil, so that there will be revival. Parce qu'il avait remarqué, because he has noticed, que nous pénétrons facilement les localités, that we easily penetrate localities, mais la croissance était très lente. The growth was very low. Pénétration rapide, quick penetration, très lente croissance, and very slow. Il criait à Dieu. He was crying out to the Lord, confessant nos péchés. Confessing our sins. C'est là où Dieu lui a dit, is there God told him, je t'exauce, I grant you, allez maintenant tel que vous allez évangéliser. Now go and evangelize as you are. C'est un, il dit, qu'ils sortent tels qu'ils sont. Ça veut dire que Dieu avait déjà laissé même cette affaire là. It, let them go out as they are. It means that God has already left this matter. Et comme le père criait à Dieu, criait à Dieu, criait à Dieu, and as Dieu est revenu.
And as the father was crying out to God, God came back. Vous allez voir, on va lire cette prophétie demain. You see it. We'll read that prophecy tomorrow. Il dit, mon fils. He said, my son. Que tes enfants sortent. Let your children go out. Tels qu'ils sont. Ça veut dire que. As they are. Il nous, c'est la grâce. It means that it is the grace. Certains frères étaient même choqués que comment Dieu peut dire, demander qu'on sorte comme ça. Il n'y a pas de repentance d'abord. Dieu dit ils vont changer en travaillant sur le terrain. Some can even be shocked saying that why does God ask us to go out like that? There's no repentance. God says that there will be change. Meanwhile, they are working on the field. Mais les gens jeûnaient et priaient. But people were fasting and praying. Parce que quand on rétrograde, because when you backslide, la rétrogradation n'est pas d'abord organique. C'est d'abord moral. Backsliding is not first. It's not organic at first. It quelqu'un is qui jeûne et moral. Qui murmure. Somebody who fasts and murmurs. C'est zéro, mais il jeûne. This is nothing but he fasts. On peut trouver ça. You can find it. On peut trouver des gens violents mais qui jeûnent. You can see some people who are violent but who fast. Je suis allé au Cameroun un jour. I went to Cameroon one day. Une sœur me dit que son faisait disciple est dans un jeûne de 40 jours mais il ne s'entendait pas. Quand elle appelle, il ne prend pas le téléphone. A sister told me that her disciple making was in a fasting of 40 days but they do not get along. When she calls her, he doesn't pick up the phone. Je n'ai pas cru, je dis pardon. Appelle, prends le téléphone, appelle. I did not believe and I said, no, please, take the phone and call. Elle a appelé. She called. Tant, il dit, tu vois. It rang and rang, but he didn't take. And she said, you see. Et ça se passait à la CMC. And this happened in CMFI. Et le frère Zach était encore vivant. And Brother Zach was still alive. C'est pour cette raison qu'il a crié à Dieu. It is for that reason that he cried out to God. Tu diriges une assemblée, crie à Dieu. You lead an assembly, cry out to God. Ne présume pas que comme c'est la CMCI, ça va. No. Do not presume that as it is CMFI, it is okay. No. Les gens connaissent même déjà les secrets de la CMCI. People already know even the secret of CMFI. Les gens savent que notre communauté est relationnelle. People know that our community is relational. Si le pasteur Meunier est dirigeant, si je suis dirigeant, if I am a leader, tu bâtis une bonne relation avec moi, and you build a good relation with me, tu deviens aussi dirigeant. You also become a leader. Donc, il y a des gens qui payent le prix. And there are people who pay the price. Pour bâtir les relations. To build relations. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on nous a enseigné la relation. And relation was not taught to us in this way. La relation est un socle pour la formation des disciples. Relation is a base for the making on of disciples. On ne peut pas faire des disciples sans relation solide. We cannot make disciples without any strong relation. Mais quand tu utilises ça pour flatter quelqu'un et il fait de toi un grand, tu as perdu. But when you use it, tu es fondé sur la fausseté. But when you use it to build a relation with a great man and with a man and he makes you great, you have lost because your relation is rests on falsehood. Il y avait un missionnaire. There was a missionary. Quand le frère Zach rend visite, when Brother Zach pays visit to them, il amène le frère Zach à la chambre de prière. He takes Brother Zach to the prayer room. Il lui dit, c'est ici que nous bombardons. He said that this is the place where we bombard. Quand le frère Zach entend ça, when Brother Zach hears that, il vient seulement, il dit, je suis allé. Il m'a montré le lieu de prière, il dit, le lieu où on bombarde. He just came and said that he showed me the prayer room and it's the place where we bombard. Mais plus tard, but later on, c'était un missionnaire fou. It was a false missionary. Un jour, sa voiture est tombée en panne. One day, his car broke down. Il y a une sœur française qui avait un mari garagiste. A French sister. Une sœur qui avait un mari français, pardon. A sister. There was a sister whose husband was a Frenchman. Et le mari avait un garage. And the husband had a garage.
Il a appelé la sœur. He called the sister. Elle vient m'aider à tirer mon véhicule, je suis en panne. And say, come and help me pull my vehicle. I have broken down. Et la sœur a pris un 4x4. And the sister took a 4x4 le véhicule to come to pull the car. Et puis il a dit, donnez-moi la clé. And he said, give me the key. Il a pris, c'est devenu sa voiture. He put it, it became his car. Sa voiture qui était en panne garée là-bas, l'autre qui est parti le sauver, il a pris. La femme dit, pardon, mon mari, pardon. Elle dit, non. And the car that broke down was parked there, and he took the 4x4 car. And the sister said, please, this is my husband's car, please. He says, no. Et beaucoup d'autres actes and many other actions qui ont plongé l'église dans des difficultés that dipped the church in difficulties. Je ne vous dirai pas le pays. I will not tell the country. Ce n'est pas nécessaire. It's not necessary. Mais le phénomène est haïssable. But the phenomenon tu dois condamner ça. Is to be hated. You must condemn it. Après and after quand les frères ont dit les vérités tout il a démissionné. When the brethren started to reveal the truth, he resigned. Et son disciple, and his disciple, qui est mon disciple aujourd'hui, who is my disciple today, il dit qu'il venait comme ça, il lui dit, les heures de prière là, ajoute, augmente ici. Il dit non, ce n'est pas juste. Il dit, c'est comme ça qu'on fait. Mais ça, mais. And, il met des milliers de prières, mais seulement. And he said, my disciple told me that he comes and said the hours of prayer add on it. He said, no, we don't do that. He said, no, do it. This is the way we do. C'est comme ça qu'on fait. He said, this is how we do. Et le petit, il écrit, and the young man asked, right? Il a compris qu'il y a rien. And he understood that there's nothing. Il est venu ici. He came here. Dans notre vision. In our vision. On s'était dit que pour être semeur, we told ourselves that for you to become a sower, un enfant de Dieu authentique, you must be a genuine child of God. Donc, on avait nos frères qui jouaient l'orgue avec un doigt, chang 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 chang. So we had our brethren who used to play the piano with one finger, chang 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 chang. Parfois, le frère Zach réprimande. Sometimes Brother Zach will rebuke. Il enseigne sur la louange. Il enseigne. Teaches on praise. Après, il est venu me voir. Ce frère-là est venu me voir. Il dit que, mais toi aussi, tu prends les jeunes gens qui savent jouer au quatre. Ils tapent. C'est comme ça que nous on fait. Il avait pitié de moi parce que le frère Zach ne faisait que cogner. Il dit que toi tu perds le temps. Prends les jeunes gens au quatre là. Ils viennent jouer la chose. C'est comme ça que nous on fait. And he had mercy on me. He said that you are wasting time. Take the young men in the quarter. They will come and play well. This is how we do. Oh, ça, ce n'était pas notre vision. But this was not our vision. Notre vision était nos enfants apprennent, deviennent mûrs, sanctifiés dedans. Our vision was that our children learn, becomes mature and sanctified. Et quand on arrivait là-bas, il y avait un là, les cheveux, si c'est les mèches, un homme arrivé ici là. When we got there, the other one, the silk hair will come down. Et il tape la musique bien même. Bang, 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 bang. And will beat the music very well. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Le salut est une réalité. Salvation is a reality. Il y aura le réveil. There will be revival. Vous allez voir. You will see. Il va commencer par la CMCI. He will start by CMFI. Et tu seras un instrument. And you will be a tool. Dites amen. Say amen. Il y aura le réveil promis au monde entier. Et la CMCI qui se sera établie dans ce que Dieu attend. Oh Seigneur. Seigneur, Seigneur. Sera à mesure de montrer au monde entier les sentiers pour maintenir le réveil, pour poursuivre le réveil, le rendre durable. Béni sois-tu, Seigneur, pour le travail fait par le frère Zaré, pour le travail
dans lequel il nous a introduit, dans le travail dans lequel il nous a laissé, et dans le travail que nous poursuivons, Seigneur. Le réveil va arriver. Le réveil va arriver. Tu vas arroser, Seigneur. Tu vas arroser nos efforts. Tu vas arroser ses paroles. Tu vas arroser nos engagements. Tu vas arroser, oh Seigneur, notre obéissance pour nous donner, oh Seigneur, d'être établi pour aider nos frères dans le monde entier à poursuivre le réveil, à connaître le réveil et à poursuivre le réveil, à le perpétuer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous proclamons qu'il y aura le réveil. Ça va commencer par la CMCI. Et chacun de nous sera un instrument de ce réveil. Ô Éternel, pour aider des multitudes dans cette nation, dans les nations, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'il y aura le réveil. Seigneur notre Père, notre Dieu, je proclame, Seigneur, que nous serons les instruments du réveil, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, amen. Si chaque église locale, if every each local church, fait ce que Dieu lui demande, does that which God requires from him, nous avons la victoire. We will have victory. Si nous prions les uns pour les autres, if you pray the ones for the others, prenant même des jeûnes, taking fastings, pour que les églises soient debout, for the churches to stand, d'abord la colère de Dieu ne va pas se manifester. First of all, the wrath of God will not arouse against us. Et chacun sera rempli du Saint-Esprit. And each one will be filled with the Holy Spirit. Même les routines deviendront des armes puissantes. Even the spiritual routines will become powerful weapons. Quand Dieu n'est pas là, when God is not there, les routines deviennent un fardeau, une corvée. The routine becomes a burden or a core. Je peux dire que Dieu est déjà satisfait du travail d'intercession pour nos familles. I can say that God is already satisfied about the work of intercession for our families. Vous voyez le nombre d'anges descendus pour opérer, guérir, délivrer, affranchir. Consider the number of angels that come down to deliver. Comme résultat au cri. As a result of the cries. Imaginez ce qui arrive. Imagine that which will is coming. Quand nous allons faire la même chose pour la famille qui est l'église. When we do the same thing for the family which is the church. Vous allez voir. You see. Faire la même chose pour la famille église. Doing this. Vous allez voir. Same thing for the family church. You see. Parce que Dieu dit que quand une église vit dans le désordre, because God says that when a church lives in disorder, il cherche certains frères qui vont sortir de là pour prier pour l'église. He seeks some brethren who will come out of there to pray for the church. S'il ne trouve pas, if he doesn't find, si tu avais donné un travail, il arrache. If he had given you a work, he will take it back. Parce que personne ne prie pour l'autre, chacun pour soi. Because no one prays for the other, each one is praying for himself. Il dit, je maudirai vos bénédictions. He said, I will curse your blessings. Oui. Oui. Ce que je vais dire, c'est par rapport à ce que papa a dit tout à l'heure concernant le réveil. Et il a dit que la machine est en train d'être mise sur place. Et quand il parlait, il a dit que depuis le Cameroun, Dieu lui avait déjà dit qu'il devait prêcher sur le retour de Christ et qu'il serait un ministre de réveil. Et comme nous sommes à la UMPJ et nous sommes des ministres de la prière, je sens que je dois partager ceci avec la permission de papa. Pendant le jeûne, la croisade de 40 jours
du ministère de l'année dernière. Et au 35e jour, nous étions en train de conduire les frères en prière quand le Seigneur ouvrait mes yeux. Et le Seigneur m'a transporté au temple d'Agamé. Et c'est comme il y avait un événement qui devait se dérouler. Et il y avait beaucoup de personnes qui attendaient. Je ne savais pas vraiment ce qui devait se passer. Mais je pouvais remarquer qu'il y avait plusieurs délégations de plusieurs nations. Comment j'ai su? Parce qu'il y avait plusieurs drapeaux. Et je pouvais savoir que ceux-ci viennent peut-être de l'Angleterre, ceux-là de la Tunisie, ceux-là du Canada, etc. Et les gens étaient en train de parler entre eux. Et je pouvais entendre distinctement, non, mais c'est merveilleux, non, mais ça sera, non, mais c'est ce qu'ils méritent, non, mais c'est normal. Ils étaient contents, ils attendaient impatiemment l'événement. Et pendant que je regardais, j'ai vu trois personnes qui sortaient de la salle des bergers au temple. On peut voir l'estrade et puis on peut voir une entrée qui est à l'extrême gauche là. Voilà. Et j'ai vu trois personnes qui sortaient de là. Et trois personnes, il y a deux qui escortaient quelqu'un. Et la personne qu'ils escortaient là, c'était le pasteur Meunier. Je pouvais voir ces deux personnes que c'était des anges, ce n'était pas des êtres humains. C'était des anges qui escortaient, parce qu'ils étaient majestueusement vêtus. Je pouvais sentir dans mon esprit que c'était des anges. Ils escortaient le pasteur Meunier jusqu'au centre de l'estrade et la foule commençait à déjà, je pouvais dire, bon, si je peux dire, c'était l'effervescence. Les gens étaient contents et ils ont enlevé le vêtement qu'ils portaient. Il avait un vêtement, ils ont enlevé, c'était une tunique, ils ont enlevé et puis ils l'ont habillé d'un vêtement très glorieux. Très glorieux, très très glorieux. Et je pouvais entendre dans mon esprit nouvelle onction, nouveau revêtement, nouvelle autorité. Et la foule a commencé à acclamer très fort. Ils se sont tous levés. Et ils ont commencé à fortement acclamer la gloire de Dieu. C'était la joie, c'était la réjouissance. Tu pouvais sentir la joie dans les cœurs. Et puis ils ont fait sortir comme un siège, un trône, un grand siège de chef. Et puis ils l'ont, comme si on l'intronisait, ils l'ont établi, ils l'ont fait asseoir. Et puis la vision est passée. C'est pendant que je méditais, on était en train de prier, en train de prier au 35e jour, la nuit. Et pendant que les frères continuaient, après moi, je méditais sur la vision que Dieu venait de me montrer. Et le Seigneur me rappelle une parole qu'il m'avait donnée quand nous étions à Lomé en 2022. À Lomé, et à la convention de Lomé en décembre 2022, le pasteur devait enseigner, il devait parler, c'était le deuxième jour, il devait parler aux frères. Et il a pris un document, il dit que nous allons rappeler, il a utilisé une expression, ce que le frère Zach a dit il y a de cela plusieurs années, quand il était venu, et à la convention de Lomé. Donc il a sorti comme son cahier de notes, son cahier d'enseignement. Tout ce qui, c'était une couverture même pratiquement déchirée, c'était fatigué. Parce que la couleur, ce n'était plus blanc, c'était devenu couleur kaki. Tu pouvais sentir que
La couverture avait été enlevée. Il a sorti ça. Il dit que c'est ce que nous allons partager. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas limité de la parole d'enseignement. Il va retransmettre ce que le frère Zach a dit il y a plus d'une décennie. Et je pouvais entendre en moi que le Saint-Esprit était très content. Dieu était content. Et j'ai entendu distinctement, audiblement. Et c'est ce que j'ai écrit. Voici mon fils. Voici mon fils. Le fils du frère Zach. Je l'ai choisi à dessein. Je l'ai envoyé en Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui peut prendre soin de lui. C'est en Côte d'Ivoire que mon œuvre dans la CMCI à travers lui s'accomplira. Vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Faites donc attention de bien prendre soin de mon serviteur, de peur d'attirer ma colère sur vous. Lomé, le 10, 12e mois 2022. Et ça m'avait... Je me suis dit, mais pourquoi c'est à moi que Dieu dit ça là? Donc, de dire à papa, je dois dire à maman, je dois dire à un ancien. Bon, j'avais ça depuis longtemps. Je me suis dit que c'est le moment. Et le Saint-Esprit vient de me convaincre qu'il fallait que je partage. Voilà pourquoi je suis venu partager ceci à cette auguste assemblée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, je comprends notre Dieu, notre Père. Tu viens de dire que nous devons prendre soin de lui. Prendre soin de lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous enseigne, tout ce qu'il nous communique, tout ce qu'il impartit à nous, nous devons prendre ça très au sérieux. Nous attacher à cela. Méditer cela. Obéir à cela. Marcher dans les voies. Oh notre Dieu. Nous devons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, être soumis, obéissant, humble, notre Dieu. Suivre le modèle, notre Dieu. Et ce qui va tranquilliser son cœur, tranquilliser le cœur du dirigeant, c'est prendre soin de lui. Oh, notre Dieu, je prie pour moi-même. Je prie que, Seigneur, tout ce que je reçois, tout ce que je reçois comme enseignement, notre Dieu, que je prenne cela très au sérieux et que je me soumette et que j'obéisse. Afin de tranquilliser son cœur. Je prie pour l'Église, je prie pour nous-mêmes, oh notre Dieu, que chaque fois que nous recevons des enseignements, donne-nous, Seigneur, de nous attacher, de ne pas oublier, de méditer et d'obéir surtout. Seigneur notre Dieu, voici la 26e édition de l'UMPJ. Voici les enseignements qui sont descendus. Notre Dieu, le péché, le péché. Oh ben, je crie à toi, je prie pour moi-même. Donne-moi de veiller sur moi, de veiller sur moi, d'appliquer cela, notre Dieu. Que ces enseignements soient impartis dans mon cœur, enracinés dans mon cœur, enracinés dans le cœur de mon frère, de ma soeur, afin de tranquilliser le cœur du dirigeant, afin que l'œuvre, notre Dieu, que Dieu lui a appropriée, le fils du frère, ça, puisse aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, que personne ne retrograde, que personne ne retrograde. Mais donne-nous, Seigneur, de faire des pas en avant, des pas en avant, en obéissant, en nous soumettant, en étant un, en marchant dans les voies et dans les pas. Et notre Dieu, je supplie ta grâce. Aide-nous, aide-nous. Tu as dit que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te supplions. Oh, Seigneur, aide-nous à obéir, à nous soumettre. Afin que cette gloire qui est descendue jusqu'à nous ne méritons même pas. À travers ton Fils, que cette gloire soit protégée, 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 cachée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je te dis infiniment merci. Car tu ne parles pas en vain, Seigneur. Et il s'agit, Seigneur Jésus-Christ, de ton serviteur. Et tu as jugé, oh, inopportun, Seigneur Jésus-Christ. Tu as jugé opportun, Seigneur,
de partager cette révélation qui date depuis 2022, ce jour. C'est parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as un dessein accompli à travers nos vies qui sont présentes ici, Seigneur. On peut entretenir ton dirigeant que dans la prière. On peut entretenir ton dirigeant que ceux, oh Père, qui se tiennent à la brèche, Seigneur. Et tu as joué, dit-il, que tous ceux qui sont présents ont la lourde tâche, Seigneur Jésus-Christ, y compris moi-même, Seigneur. Je comprends maintenant, Seigneur, depuis un moment que je me suis rapproché de ton serviteur, j'ai un œil particulier quand je le vois en train de rendre ministère. À un moindre geste, je suis touché. À un moindre geste, je suis touché. À un moindre geste, je suis touché. Et je me dis, oh, de ma position, qu'est-ce que je peux faire? De ma position, qu'est-ce que je veux faire? Mais je bénis ton nom pour tout le temps que j'ai passé auprès de lui. Je bénis ton nom. Et je prends l'engagement, Seigneur. Je prends l'engagement, Seigneur, de donner mon meilleur, de donner mon meilleur, de donner mon meilleur, quand il s'agira d'apporter ma touche, Seigneur, à sécuriser, à apporter, Seigneur, oh, ma touche, oh, Seigneur, mes soins, Seigneur. Je t'en supplie que le peuple s'engage, oh, Père, que tous ceux qui sont là s'engagent, oh, Seigneur, dans cette dynamique, oh, Seigneur, afin que ton serviteur soit, oh, que nous prenons soin de lui. Nous t'en supplions, que les écailles tombent, oh, Seigneur, que les écailles tombent, oh, Seigneur, que chacun de nous comprenne et voit sa part de responsabilité en ce qui concerne ton serviteur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, agis. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour ne plus jamais m'éloigner de ton serviteur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, de ne plus jamais m'éloigner de ton serviteur. Père, je veillerai sur mes pas. Je veillerai sur mes mouvements. Je veillerai sur mes actes. Je veillerai, je veillerai, je veillerai. Je veillerai, je veillerai, je veillerai, je veillerai. Je veillerai, je veillerai, je veillerai, je veillerai. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Agis puissamment. Et fais-le pour tout un chacun de nous. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous prions les uns pour les autres, if we pray the ones for the others, il y aura une autre manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. There will be another manifestation of the glory and the presence of God. Il y aura une armée d'anges. There will be an army of angels. Une légion, or a legion, legions of angels, envoyés par Dieu, sent by God, pour exécuter les desseins de Dieu. To execute the purposes of God. En réponse aux prières des saints les uns pour les autres. As a result of the answer of the prayer of the ones and the other for the other. Ce n'est pas caché. It is not hidden. Dieu a révélé déjà aux églises. God has already revealed to the churches. L'avenir de l'œuvre en Côte d'Ivoire. The future of the work in Côte d'Ivoire. Ce sont des choses que le frère Zach a reçues clairement. These are things that Prophet Zach received distinctly. Là où tu es assis, where you are sitting, tu es un instrument de réveil. You are an instrument of revival. Ça ne dépend pas de toi. It does not depend on you. Ça ne veut pas dire que nous sommes très forts, intelligents, puissants. It doesn't mean that we are very strong, intelligent, and powerful. C'est que la grâce de Dieu. It is the grace of God. Et sa miséricorde. And his mercy. Nous accompagne. Is with us. Et pour moi. And for me. La miséricorde de Dieu. The mercy of God. Et sa grâce. And his grace. Dépasse toutes les puissances qu'on peut imaginer. Is above all the powers that you can imagine. Si tu veux bâtir des relations. If you want to build relations, ne cherche pas ceux qui ont beaucoup. Ne cherche pas ceux qui ont beaucoup de puissance et beaucoup d'argent. Do not seek those who have a lot of power and money. Cherche ceux sur qui la faveur de Dieu repose, la miséricorde, la grâce.
Seek those on whom the favor, the mercy, and the grace of God rest. Si Dieu te dit, demande-moi quelque chose. If God tells you, ask me for something. Ne sois pas embrouillé. Do not be confused. Dis-lui. Tell him. Je veux. I want. Que ta faveur. That your favor. Me précède. Precedes me. En tout lieu. In every place. Tu ne vas pas regretter. You will not regret. Certains vont demander les avions, les bateaux. Les... Some will ask for planes and the boats. Tu dis, je veux. You say, I want. Que ta grâce repose sur moi. That your grace rest on me. Que ta faveur me précède. That your favor precedes me. Tu verras ce qui va arriver. You will see that which happens. Et les événements ne doivent pas vous échapper. And the events must not escape you. Vous savez, j'ai une faiblesse. You know, I have a weakness. Je prie que personne ne soit contaminé. I pray that no one be contaminated. Un jour, j'ai rencontré le frère Zach. One day, I met Brother Zach. Je lui ai dit, je vais te parler. I told him, I want to speak to you. Suivez ça très bien. Follow this carefully. Il s'est assis, il s'est concentré. He sat down and got concentrated. Et j'étais parti pour lui dire cette chose-là. And I went to tell him those things. Je lui ai dit. I told him. Chez moi, il n'y a rien de grand. For me, there's nothing. There's nothing great that moves me. Rien. Nothing. Ça peut vous étonner. It can astonish you. Pourquoi? Why? Parce que j'étais orphelin de père. Because I was an orphan of father. Et nous étions des petits enfants. And we were little children. On a arraché notre héritage. And they snatched our inheritance from us. Et on nous a maltraités. And they ill-treated us. Tout ce que notre père avait écrit dans le testament, des gens ont violé tout. All that our father wrote in his testament, those people violated or broke all of them. Donc, étant petit, so being young, j'avais décidé que je ne demande rien à personne. I decided I would not ask anything to somebody, to anybody. Et j'étais fort. And I was strong. Tu manges, ça ne me dit rien. Je fais comme quelqu'un qui n'a pas faim. If you are eating, this tells me nothing. I do as if I am somebody who is not hungry. Et j'étais devenu fort. And I became strong. Dans cette attitude-là. In that attitude. Je me souviens un jour. I remember one day. Le frère de celui qui nous avait arraché les biens. The brother of the one who snatched our wealth from us. Distribuait les biscuits aux petits enfants. Was distributing some biscuits to the young children. Quand j'ai su qu'il était en train de donner les biscuits aux enfants, when I knew that he was giving biscuits to the children, je me suis arrêté. I stopped. Je ne voulais pas manger ces biscuits. I did not want to eat of it. J'avais 25 francs. I had 25 francs. Et j'allais à la boutique acheter ma part. Oh, c'était dans un paquet. Quand tu donnes 25, on te donne un seul biscuit. So I went to the store to buy mine. Donc il a distribué tout. Ils étaient contents. Quand j'ai su qu'ils ont fini, je suis allé maintenant à mon tour. So he shared to them all, and it was finished. When I knew that it was finished, I went there. J'avais à l'âge de 8 ans. I was about 8 years old. Et il m'a vu. He saw me. Il a dit, mais tu n'étais pas là. And he said, you were not here. J'étais heureux. I was happy. Qu'il ait constaté que je n'étais pas là. That he noticed that I was not there. J'étais content. I was happy. Je suis allé chercher ma part, 25 francs. I went to buy my portion, 25 francs. Je suis rentré. And I went back. Ça m'a habité. This abode in me. Quand j'étais au cours moyen 2. When I was in. Quand on dit que celui-ci a vu le CP, je regarde, j'admire. Après, quand moi-même j'ai le CP maintenant, je ne vois rien. When I was in class 6. Je ne vois rien du tout. And when I hear that this one has got his certificate,
Après, I don't see anything. And myself, later on, I got mine. Après le BPC. And after the O level. Quand les autres ont ça avant moi, ils dansent, je vois comment ils changent les démarches, when ils se promènent. They mention the names of the others before me, they jump and they are happy. Après, on dit, quand mon tour arrive, je regarde, je ne vois rien. When it is my turn, they call my name, but it tells me nothing. Quand j'ai vu le VPC, mon beau-frère, il a demandé qu'on tue un porc. Je voyais les gens courir là, c'est quoi? On dit que c'est pour toi. J'ai dit, When I succeeded my O-level exam, my brother-in-law taught people to kill a pig. And I said, what is it going on? They said, they are going to kill it for you. I said, oh, what is this? Quand j'ai eu le probatoire, je ne vois rien. When I succeeded the probatory, I saw les nothing. Les autres se réjouissent. Pour moi, ce n'est rien. The others are rejoicing, but for me, it is nothing. J'ai eu le bac. I got my A-level exam. Même chose. The same thing. Je suis allé en stage. I went for internship. Comme fonctionnaire. As a civil servant. Ça ne m'a rien dit. D'abord, on avait demandé quels sont ceux qui vont sortir du pays pour les études. Je n'ai même pas entendu que je n'ai pas su que j'étais concerné. First, they said that who are those who are going to get out of the country for the studies? I did not even hear it. I did not even know that I was concerned. Parce que le frère Zach voulait prier. Because Balzac wanted to pray for us. C'est un frère qui m'a dit, mais tu ne t'es pas levé. Je dis, It's a brother who told me that you didn't get up. I said, oh, it's true. Bon, c'est passé. Okay, so it's over. Je passais quelque part. I was passing somewhere. Une connaissance dit, voici les gens comme ça, quand ils reviennent là, ils deviennent des cadres. Je regarde, qu'est-ce qu'elle raconte même. An acquaintance was saying that these are these kind of people, when they come, they become the great men. I said, what is he telling? Donc, quand nous étions dans le champ de mission, so when we were in a mission field, j'ai vu la même chose qui voulait se produire. I saw that the same thing was being produced. On dit le frère Boniface, les missionnaires. Quand je vois les missionnaires, comment ils sont, ils se comportent, je dis. Et puis j'ai vu que là, c'est dangereux. And I saw when they say Brother Boniface, the missionary, and the other missionary, when I see how they behave. Ça devrait me réjouir. I was to rejoice. Donc je ne voulais pas la malédiction. So I didn't want curse. Je suis allé dire au frère Zach que voilà mon problème. I went to tell Brother Zach that this is my problem. Je prends rarement les choses au sérieux. I seldom take things seriously. Je lui ai raconté mon histoire. And I told him my story. Il a prié pour moi. He prayed for me. Donc je veille. So I watch que cette capacité là, that this capacity, ne vous soit pas impartie. Will not be imparted to you. Vous devez vous réjouir des promotions. Vous voyez la sœur Colette, si c'était dans une autre église là, ça allait être avec des actions de grâce. Elle est quand même promue. Chez moi, ça passe comme ça. You see, Mom Colette, if it was in other churches, she had the promotion and this will be rejoicing. La Côte d'Ivoire a reçu une mission de veiller sur les dirigeants par la prière et le jeûne. Est-ce que vous savez ça? Do you know that Côte d'Ivoire has received the mission to watch over the leaders by fasting and praying? Who knows it? Donc, c'est pour cette raison que je vous invite à ne pas faire comme moi. That's why I tell you, do not go and do like me. Réjouissons-nous du fait que Dieu ait dit un jour. Let us rejoice of the fact that God said one day que de cette nation, that from this nation partira le modèle. The model will go. Si je vous entraîne dans mes blessures, if I take you into vous serez pauvre. My wounds, you'll be poor. J'avais un ami. I had a friend. Intelligent. Very intelligent. Il avait 5 sœurs ou 4, je ne sais pas. Il était le fils unique et avec 5 sœurs ou 4 sœurs. C'est-à-dire, il était petit. Chacun lui donne un costume. Tu vois les gens. Il est petit mais intelligent avec des petits costumes. He was young
and had four or five sisters. He was the only son, only boy, and people used to give him some soot. Un jour, il m'a dit, one day he told me, les autres, the others, ils peuvent se consacrer, parce que lui, le peu qu'il a fait déjà là, c'est beaucoup, mais parce que il est tellement élevé que quand lui fait un peu, non, quand les pauvres font un peu, on pense qu'ils sont vraiment consacrés. Lui, on doit reconnaître le peu qu'il fait là, parce que par rapport à ses bénédictions, c'est très grand. Je lui dis pardon, ne raisonne pas comme ça. So he used to say that when the little that he's doing, we must know that he is high. But the poor, when they do a bit, then we know that they are consecrated. Il voulait dire que le peu du riche dépasse le tout du pauvre. He wanted to say that the little of the rich is above the all of the poor. Non. Prochainement, quand tu réfléchis comme une nation qui doit à notre œuvre mondiale. Now, when you think as a nation, our nation owes to the world, the world, our work in the world. Et à mon niveau personnel, at my personal level, je travaille, I'm working, pour que nous soyons ce modèle. For us to be that model. J'ai dit à De Gonzac, I told Babs De Gonzac, ouvre un compte d'épargne. Open a saving account pour la convention de 2030. For the convention of 2030. On a déjà ouvert certaines d'entrées. Si ça marche, nous aurons au moins 500 millions qu'on ne demande pas aux frères qui sortent de l'épargne pour donner. It has already been opened and money is getting in it. And then when the time comes, we can even have 500 million to give from that account. Donc, j'apprends maintenant à ne plus négliger les bénédictions comme ce que j'avais raconté au frère Zach. I'm now learning not to neglect the blessings as the one I taught Brother Zach. Tu me donnes un costume maintenant, je sais apprécier. Avant là, je dépose ça quelque part. Now you give me a suit, or a suit. I know how to appreciate it, but in the past when he gave me, I just put it somewhere. Je n'avais jamais demandé quelque chose à quelqu'un. I had never before en tant que dirigeant, to somebody as a leader. En 2000, Dieu m'a dit c'est l'orgueil. In 2000, the Lord told me this is pride. Et j'ai demandé une chose à une sœur. And I asked something to a sister. Pour briser cet orgueil. To break that l'orgueil né des blessures, ce n'est même pas un orgueil you comme know, les autres païens. Pride comes out from wounds. C'est-à-dire, je voulais résister aux méchants en devenant dur moi-même. I wanted to resist the wicked one by becoming hard myself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je vous dis, I tell you, si nous prions les uns pour les autres, if you pray the ones for the others, comme nous prions, as we dans le contexte du renversement des principautés, in the context of the overthrow of principalities, nous allons expérimenter une autre grâce divine. We will experience another divine grace. Dieu n'attend que ça. God is just pour que les blocages qui sont nés des murmures, so des infidélités, so that the blockages that are that stem from murmuring and unfaithfulness, que ces malédictions-là quittent l'Église. That those curses be taken away from the church. Et ça là, and this c'est le chemin du réveil. Is the way of revival. C'est le chemin de la croissance exponentielle. Is the way of exponential growth. Quand le frère Tudor a pris l'œuvre, when Brother Tudor took the work, il m'a dit, he told me, le frère Zach voulait te confier la croissance de nos églises dans le monde. Brother Zach wanted to entrust you with the growth of our church in the world. Je ne veux rien changer. I will not change anything. Donc, je dis ça dans le cadre
communicationnel. So I say this in the framework of communication. Pour que personne n'ait dit que le frère a dit que le frère Boniface va diriger l'œuvre dans le monde. So parce qu'il y a toujours les gens qui sont mauvais. No one will go and tell the others that the brother said that Pastor Menier is going to lead the world in the work in the world. Ça confirme des prophéties. This confirms prophecies. Ça ne peut pas se faire sans si la Côte d'Ivoire doit mener. If Côte d'Ivoire must le peloton must lead the peloton. Il ne faut pas penser que ça veut dire que nous avons renversé le leader mondial. Do not think that this means that we have overthrown the. Je parle là par prophétie parce que je suis en train de délivrer ceux qui ont de mauvais cœurs. I speak by prophecy because I'm delivering those who have bad seeds. Ça veut dire que cette histoire de Côte d'Ivoire là, dans notre œuvre, prenez ça au sérieux. Même it means. It means that this matter of Côte d'Ivoire in our work, you must take it earnestly. Même si je ne parle pas, even ça va s'accomplir. Even if I don't speak, it will be accomplished. Si tu es dans l'œuvre en Côte d'Ivoire, veille sur toi-même. If you are in the work in Côte d'Ivoire, watch over yourself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous allez voir. You will see. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Veillons que à cela, que ça s'accomplisse. Let us watch, see to it that it should be accomplished. Est-ce que les frères qui sont venus à l'académie ont fui le frère Théodore pour venir en cachette? Did the brethren who came to the academy came in hiding? C'est lui-même qui leur a payé les biens, n'est-ce pas? He himself paid for them the plane tickets. Il est en train de contribuer à la vision à sa manière. Chacun doit le faire à sa manière aussi. He is contributing to the vision. Ça ne sera jamais qu'il avait bloqué. It will never be said that he has blocked it. Jamais. Never. Mais c'est toi qui peux rester aveugle. But you are the one who can remain blind. Ne soyez pas ceux qui flattent les gens. Do not be of those who flatter people. Il y a un frère, mais je dis merci au frère Théodore, je dis merci au frère Sarge, je dis merci à Jésus. Ce n'est pas bon. Dis merci au frère Théodore, point. Say thanks to Brother Théodore. Ne lis pas les noms pour qu'on pense que tu es loyal. Non. Do not line up the names. C'est une chose pure, cette affaire-là. It's something pure, that matter. Je dis merci au frère Boniface, je dis merci au frère Théodore, je dis merci au frère Sarge, je dis merci à Jésus. Je dis merci à Dieu le Père. Amen. I say thanks to Brother Boniface, to Brother Theodore, to God the Father. Amen. Tu peux dire, Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour le frère Theodore. You can say, merci, oh Lord, notre Dieu. Amen. Amen. Say, oh Lord, I give thanks for Brother Theodore. Amen. It's okay. Heureusement que ces choses ne sont pas pratiquées en Côte d'Ivoire. Fortunately, these things are not practiced in Côte d'Ivoire. Mais soyez bénis. But be blessed. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Dis à Jésus. Tell Jesus. Donne-moi un cœur intelligent. Give me an intelligent heart. Pour comprendre cette phase de notre œuvre. To understand this phase of our work. Prie que tu ne sois pas comme moi. Pray that you not be like me. Les gens dansent qu'ils ont le bac. Moi, je ne vois rien dedans. Ce n'est pas la spiritualité. People dance when they. Ce sont les blessures. They pass their A-level exam, but I see nothing in it. This is not spirituality. These are wounds. Au début, quand on disait leader, je disais leader. In the beginning, je me moquais même de ça. Que Dieu me pardonne. Je suis leader. In the beginning, when people were saying. In the beginning, when people were saying leader, I was saying leader. I was even mocking this. May God forgive me. Now I am a leader. Dans ce domaine-là, il ne faut pas m'imiter. In this domain, do not imitate me.
Rendez les choses grandes. Make things great. Soyez reconnaissant. Be grateful. Tu es dirigeant d'une assemblée. Marche comme un dirigeant de l'assemblée. You are a leader of the assembly. Walk like a leader of the assembly. Le comité d'organisation de l'UMPJ. Marchez comme des organisateurs. The committee of organization. Ne faites pas comme moi. The committee of the organization of UMPJ. Walk like organizer. Do not do like me. Je ne suis pas modèle dans ce domaine. I'm not a model in that domain. Et j'ai déjà traité cette maladie. But I've already dealt with that sickness. Sinon, je n'allais même pas vous dire. J'ai été enlevé en esprit. J'ai fait un mois sans parler de ça à quelqu'un. I have been taken away in the spirit, but I spent one month without talking about it. Je disais, si je dis aux gens, ils vont croire que je suis très spirituel. Donc, faut laisser ça. I told myself that if I tell people, they will believe that I'm so spiritual, so I should forget about that. On avait délivré une sœur d'une manière extraordinaire. We delivered a sister in an extraordinary way. Je n'avais jamais rendu ce témoignage. I had never testified about that. Comme la délivrance était très difficile. As the delivery was so difficult. D'abord, first, j'étais au bureau. I was in the office. Dieu m'a dit, va à Bonaberry. God told me go to Bonaberry. 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 It's a quarter. Je suis allé. I went. Je trouve que mon faisant de disciple délivre une sœur. I found that my disciple maker was delivering a sister. Il m'a dit, je prie depuis 45 minutes. He told me that I've been praying for about 45 minutes. La sœur est venue. The sister came. Elle a dit, je veux que tu pries pour moi. She said, I want you to pray for me. Bon, il lui a dit, assieds-toi. And he told her, okay, sit down. Elle s'est assise. She sat down. Et le frère a libéré tous ceux qui voulaient le voir. And the brother released all those who wanted to see him. Et quand ils sont restés à deux, when they were two, il pose la main pour prier pour la sœur, elle s'écroule. He laid his hand to pray for the sister, she fell. Fatiguée. Comme si elle allait mourir. As if she's going to die. Il a commandé. 45 minutes. 45 minutes. J'arrive. And I come. Frère, c'est Dieu qui m'avait. Je m'avais dit va à Bonaberry. God told me go. Je travaillais, j'étais assis dans mon sitting, bureau. Working in my office. Et je demande à la sœur, qu'est-ce que tu as? And I ask the sister, what do you have? Elle dit, je suis fatiguée. She said, I'm tired. J'ai attrapé sa main. I took her hand. Comme les médecins font. As the je ne savais même pas que ce n'est pas ici qu'on attrape. Moi, je crois que c'était ici. C'est Carole qui m'a dit que c'est là. Sister Carole told me it is here. Donc je lui demande, qu'est-ce que tu as? I said, what do you have? Elle dit, je suis fatigué. She said, I'm tired. Qu'est-ce que tu as? What do you have? Je suis fatigué. I'm je lui ai posé la même question sans changer. Asking her the same question without changing. Pour montrer que Dieu était dedans. To show that God was in it. Il me guidait. He was guiding me. Après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? And I said, what do you et have? Dit, on me poursuit. He said that they are pursuing me. Dès qu'elle a dit, on me poursuit. As soon as she said they're pursuing me. J'ai senti l'onction sur moi. I felt an anointing. J'ai dit, qui te poursuit? I said, who is pursuing dit, you? Comme Elise. And she said, Elise. Comme Elise. Je lui ai demandé, elle est seule? I asked her, is she alone? Elle dit, non, ils sont quatre. Les autres sont derrière. Les autres attendent avec les cordes. Elle a un fer, elle tape sur ma tête. And I said that the others are there waiting for with ropes in the ropes in the hand, but she's in the front with an iron beating on my head. Dès qu'elle a commencé à parler, as soon as she started speaking, elle commença à étouffer. She started to be choked. On a jugé. We judged. Dit, qu'est-ce qu'il y a? I said what? Elle dit, on met la poudre dans ma bouche. And she said that they put the powder in my mouth. Ils voulaient l'empêcher de parler. To prevent her mais from c'était speaking. Trop tard. Elle avait déjà donné les informations. But it was very late. She on a jugé. We judged. Après, elle a crié. Voilà qui. And after she cried out, here they are. La femme qui voulait mourir maintenant. The woman who was about to die. Elle veut sortir par la fenêtre, sauter. She wanted to get out through the window. On l'attrape. Nous étions deux. On maîtrise. We caught her. There were two of us. Elle dit, laissez-moi, c'est quoi? She said, leave me. Elle parlait aux gens. She was speaking to all people. We don't see them. Je vous ai laissé ma richesse. C'est quoi? Laissez-moi. Leave me. What's on juge zéro. We judge nothing. On prie en langue zéro. We pray in tongue nothing. On laisse, c'est une folle. On va faire comment? If we leave it, she becomes a fool. Duré. What are we going to do? It took long time.
Et un autre ancien est venu nous rejoindre. Another elder came to join us. Le frère comme Séraphin. Brother comme Séraphin. On a jugé. We judged. La sœur ne fait que se quereller avec eux. Elle les voit, nous on ne les voit pas. The sister, et laissez-moi. She kept quarreling with them. Attrape. She sees them, we don't see them. Je suis allé m'asseoir sur une table comme celle-là. I went to sit on a table like this. Le Saint-Esprit me dit. The Holy Spirit told me. Va arrêter la querelle spirituelle. Go and stop the spiritual quarrel. Qu'elle a engagé. That she has started. Le Saint-Esprit m'a tout expliqué, hein, rapide. Ça, c'est une fraction de seconde. This is in a very quickly, immediately. Il me dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Il a dit, si on t'envoie juger entre un méchant et ton frère, je commence par ton frère. He told me that judgment starts in the house of God. If they tell you to go. Donc, je suis revenu. So I came back. J'ai dit, Béatrice. I said, Béatrice. Le frère comme Séraphin m'a dit, non, 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 c'est comme Élise. J'ai dit, non, je sais ce que je fais. I said, no, I know what I'm saying. J'ai dit, Béatrice, I said, Beatrice, arrête la querelle spirituelle dans laquelle tu es engagé au nom de Jésus. Stop the spiritual quarrel in which you are committed in Jesus. Arrête! Stop! Elle a tremblé. She trembled. Elle est revenue. And she came back. J'ai gardé ça. I kept this. Parce que ça témoignait une relation dynamique. Je ne voulais pas que les gens pensent que je suis fort. So this testified, c'est comme ça que je fonctionnais avant. This testified a dynamic relation and I kept it. C'est en 2022 que j'ai dit ça aux frères comme Séraphin. It is in 20, comment ce démon fut chassé. It is in 2022 that I said this to brother Seth, comme Séraphin, how that demon was cast out. Si vous m'imitez, if you imitate me, vous allez enterrer les gloires. You will bury the black. Dieu ne sera pas content. God will not be happy. Nous avons la responsabilité de prier pour les dirigeants. We have the responsibility to pray for the leaders. Ça ne doit pas se faire comme si on a perdu des gens dans une bataille. It must not be done. We have lost people in a battle. Quand tu veux parler, tu as peur que les gens vont penser que je suis orgueilleux. When you want to speak, you are afraid because people will think that I am proud. Si c'est ça l'orgueil, soyez orgueilleux. If this is pride, then be proud. Et Dieu sera glorifié. And God will be glorified. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je n'ai même pas dit aux frères gens de Dieu que tu sais, quand j'étais assis là, le Seigneur m'a dit d'aller arrêter la querelle spirituelle parce qu'elle était déjà délivrée. Mais elle est restée dans le champ spirituel pour se quereller avec ses ennemis. I did not even tell Brother Jean de Dieu that when I was sitting there, the Lord told me to go and stop the spiritual quarrel. Et qui gagne? C'est l'ennemi parce que ça empêche les gens de découvrir une autre voie de délivrance. And who is the winner? It's the enemy because this prevents people to discover another way of deliverance. Ça m'empêche moi-même de grandir. And it prevents me myself to grow. Et beaucoup pensent que c'est en Côte d'Ivoire que on a commencé la délivrance. Le don est depuis la conversion. Many think that it is in Côte d'Ivoire that we started deliverance, but the gift is there since the conversion. Mais il prend d'autres dimensions à cause de la parole de Dieu qui nous avertit que cette église-ci là va provoquer le réveil. But it takes another dimension because of the word from God that says that this church will provoke revival. Et le frère Zach m'a dit, nous étions à deux. And Brother Zach told me there were two of us. Perds pas Abidjan. Do not lose Abidjan. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand ton père te dit ne perds pas Abidjan. When your father tells you do not lose Abidjan. Si tu es sage, if you are wise, tu t'assois, you sit down, tu changes ce que tu ne faisais pas, tu commences à faire. You change, you start doing that which you were not doing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis Seigneur. Say Lord. Donne-moi l'intelligence. Give me the intelligence. Que je vois, que je comprenne. That I see and understand. Que je sois un acteur. Let me be an actor. Dynamique, efficace. A dynamic and efficient actor. Dans la phase actuelle de l'œuvre. In the present, in the current phase of the work. Dans la phase actuelle de l'œuvre. In the current phase of the work. Vous verrez que dans la vie,
Il y aura même des centaines de personnes, des milliers, mais il n'y aura pas la même joie que la joie des académiciens. Qu'est-ce qui est passé? Cette joie sera toujours supérieure à toutes les joies qui arrivent. You see that in the future there will be hundreds and even thousands, and that joy will not pass the one of those academicians who have gone. Parce que ça va devenir une routine. Because it will become a routine. À l'aéroport, les gens descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. At the airport, people get on and come down. C'est l'académie de l'œuvre, ce n'est même pas l'académie de Côte d'Ivoire. It is the academy of the work, it's not even the academy of Côte d'Ivoire. C'est le genre que les pasteurs toilés comme ça devaient venir avec les bœufs pour qu'on nourrit les gens. Il est là, il veut faire comme moi j'étais. It's the kind that people like Pastor Toilet should come with the oxes so that we can nourish people. Prenez ça aussi. À prochaine académie, il faut qu'il y ait des dons. L'argent, les nourritures. The coming academy, there shall be gifts, money and food. Qu'est-ce qui nous prouve que tu as compris? What shows us that you have understood? Je ne suis plus dedans. Bon, je suis sorti. Sors aussi. I'm no longer in it. I have come out. You also come out. Ne dites pas que vous faites comme l'homme de Dieu. Do not say that you do like the man of God. Rendez les choses vraies et grandes. Make things true and great. Ce n'est pas nous seulement. C'est nos nations, nos églises. It is not we alone. It is our nations, our churches. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les frères qui sont à la RTVC doivent améliorer le travail, pas les bricoles qu'on fait une réunion aujourd'hui, ça sort après deux semaines. The brethren who are in RTVC must améliorer the work. They not tinkering like they we have a meeting today. It is after 2 weeks that it comes out. Huguette doit faire, sachant qu'elle a eu une vision, pas bricoler. Sister Huguette must do as she, knowing that she has a vision. She should not tinker. C'est une affaire préparée d'avance. It is a matter that is prepared beforehand. Ne faites pas comme moi. Do not do like me. Ne faites pas comme je faisais. Do not do as I was doing. Pas du tout. Not at all. Prions ensemble. Let us pray together. Merci Seigneur. Thank you, Lord.